El hambre sigue afectando a 854 millones de personas, de los cuales 20 millones están en peligro de muerte, y eso es una cifra anual. Eso convierte la lucha contra el hambre en un tema fundamental porque es la principal lacra de la humanidad. La crisis actual de los alimentos va a tener una repercusión muy negativa. No solo afecta al norte, afecta el precio de los alimentos en el norte, pero también el sur, especialmente los países africanos de Mali, Mauritania, Burkina Faso, donde vemos que la malnutrición va creciendo y sobre todo en las zonas más pobres. Pour moi, la malnutrition dans le domaine de la pédiatrie, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Je le classe paludisme, tuberculose, comme toute maladie possible qu'on peut avoir. Pour moi, aujourd'hui, la malnutrition, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Alors seulement, il faut le classer dans les maladies vraiment de type donc carentiel. Les enfants qui souffrent de la malnutrition, ils ont un certain nombre de signes clés. Il y a d'abord l'anorexie qui est là. Un enfant malnutri, il n'arrive pas à manger. Il y a la diarrhée le plus souvent. Il y a les vomissements. Il y a la déshydratation qui aussi est vraiment un problème, une complication de la malnutrition. Donc, toutes ces complications ont un certain nombre de protocoles à suivre dans la prise en charge. Na kawo shi likita kalan bakashi daga likita kalan bakashi aka turo ni kwama so kalan bakashi da nazo kalan bakashi na kawo da matsalar shi nan wani abu ne muke gani kamar kurji nan wurin gaci biya shi yake sa shi tari yana wannan tari in wannan tari ya taso mai sai yayi kamar ya kare. C'est donc de relancer le métabolisme basal chez cet enfant et de corriger toutes les carences en micronutriments qui font défaut chez cet enfant. Et le type de lait que nous utilisons s'appelle le lait F75 ou formula 75. Ce type donc de lait, c'est donc un lait qui permet de relancer justement ce métabolisme, de corriger ses carences nutritionnelles, mais qui n'est pas destiné à l'enfant à prendre du poids. Et quand le niño empieza a recobrar el apetito, entonces se plantea a la madre el poder ser tratado a nivel ambulatorio. Entonces se le hace lo que llamamos el test del apetito y se les da producto que se llama Plan Pinut, que se parece un poco a la nocilla, es un producto untuoso de color de chocolate. Entonces, si el niño lo come bien, pues se considera que el test es positivo y entonces puede ser tratado a domicilio. ¿Y tú? No, en ese caso, a ver, si que vamos, tenemos una bayara. Acá, bueno, se oran sus gadis, su madera, su mi, magani, se oran su. Su vamos, una bayara, como se oran sus gadis. Moi,
La nutrition assistée communautaire, au fait, consiste à sensibiliser les communautés et à travailler avec un groupe de volontaires au niveau de la communauté qui vont à leur tour essayer de passer le message à leurs confrères ou à leurs confrères au niveau de la communauté de quels sont les comportements qui doivent être au fait effectués ou faits pour que la malnutrition soit vraiment prévenue déjà avant d'être une question de prise en charge plus technique au niveau des centres de santé. Mana tsabu ka cewa yaro in zaka same abinci ka wanke ka yara ka ka same da kazamta ya ci ka wanki ka bashi ya ci kuma wanda yake ci shi zaka bashi in yana ci wani in ka bashi ma ai ba zai ci vraiment on travaille un peu avec la psychologie des gens pour les amener petit à petit à accepter sinon c'est pas facile par exemple si on prend par exemple la question de l'allaitement immédiat actuellement avec la sensibilisation des relais et aussi avec la multiplication des centres de santé au niveau des zones. L'allaitement immédiat est presque devenu une pratique qui est courante au niveau des femmes. Sinon, avant, quand une femme met au monde, l'enfant doit faire 3 jours sans téter sa maman. Parce qu'on suppose que le lait qu'elle a là, il contient des maladies, il faut évacuer ça et on prend trois jours. Et l'enfant est nourri grâce au lait des chèvres. Mais maintenant, ils ont compris que dès que la maman accouche, il faut laver les seins et puis faire téter l'enfant. Ana tagargadi yanzu duk ya fara shiga kullum mun mutane da kauye ana ta yanzu nan ga kauye ma da an haihu yaro sai a wanke nono a sa shi ga nan gaba. Donc après maintes réflexions on a vu qu'au fait la malnutrition c'est aussi une question liée aux questions de comportement et pour amener les gens à changer de comportement il faudrait vraiment les amener à comprendre eux-mêmes les attitudes et les pratiques qui sont néfastes et à les corriger. Las personas que transmiten esta educación, ¿no? Y las personas que identifican la desnutrición, que sean personas de la propia comunidad para que no sean vividos a nivel comunitario como unos extraños, ¿no? Y que sean aceptados. Il y a le suivi des relais au niveau des villages pour voir si réellement les relais font leur activité dans les villages. Ils donnent des conseils pour constater s'ils donnent des conseils. Si les femmes pratiquent l'hygiène, si réellement les femmes préparent le prémix, ils font des bouillies pour donner à leurs enfants, et s'ils font le dépistage. Les gens comprennent que les séances d'éducation qu'on lance à leur égard, c'est des séances qui sont importantes, c'est des informations utiles pour elles. Elles arrivent à utiliser ces informations-là pour changer de comportement. Même si quelque part la malnutrition, en dehors de la question de comportement, elle est liée à beaucoup de facteurs quand on prend les pays comme le Niger. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment de travailler sur les changements de comportement. Et là, ça peut amener beaucoup en termes de réduction de la malnutrition. Le problème de nutrition, c'est un problème multidisciplinaire. Alors, pour que nous puissions arriver à éradiquer la malnutrition, nous avons trouvé bon et utile d'impliquer la communauté, que ça soit un problème de la communauté et que la communauté sache comment prévenir cette malnutrition. La decisión final de cómo se va a criar a un niño no la tiene la madre, sino que la tiene a menudo su marido o bien la suegra, porque la mujer cuando se casa se va a vivir a casa de su marido y es la madre del marido la que va a tener la decisión sobre el primer niño que nazca. Y muchas veces incluso el primer hijo es para los abuelos y la madre no va a criarlo. Entonces es importantísimo que tanto el marido como la suegra sean partícipes de los mensajes que nosotros damos, porque a veces las madres son conscientes que hay que hacer esto de esta forma o esta otra cosa. Pero cuando llegan a sus casas, el marido le dice, no, tú haces así porque siempre se ha hecho así. O la abuela le dice, no, lo haces así porque lo digo yo.
Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oh, il a beaucoup d'enfants. Par exemple, il a, disons, 33 enfants. Enfants. Et combien de femmes? Et combien? Matin. Quatre femmes. Beaucoup de travail. Hein? Pour la prévention de la malnutrition, ça doit être une prise en charge au niveau de la population elle-même. C'est la population elle-même qui doit être motivée, qui doit se motiver pour pouvoir prendre, pour pouvoir s'auto-prendre en charge. J'ai 40 ans. Le 1 à 14 ans, Chabier. Le deuxième à 15 ans. Chaoku. Le troisième à 13 ans. Nguma. Le quatrième à 10 ans. Houdou. Le cinquième à 4 ans. Bier. Le cinquième, le sixième à 5 ans. Début. Non, mais j'ai qu'à la vie. Et elle a un enfant de 2 ans. Donc ça fait 7. Au Niger, il y a trois problèmes fondamentaux qui sont en train de ruiner nos différents producteurs. Premièrement, il y a l'irrégularité de la pluie ou l'insuffisance même de la pluie. À chaque année, la pluie est insuffisante, ce qui fait en sorte que les cultures n'arrivent pas à boucler leur cycle convenablement. Et deuxièmement, il y a la pression parasitaire, donc les ennemis des cultures. Et troisièmement, il y a la baisse de la fertilité des sols. Ça fait des années que nos producteurs utilisent les mêmes sols, sans amendement ou bien sans apport organique, et ça détériore les sols. Depending on how much rain there was that year, how good the harvest was, they would have food for their family for 3 to 6 months. Roughly half the year where they don't have any money and they don't have any more of their own stocks. And that's where the merchants come in who are speculating. They bought the stocks in November at the low price, and then in April or May when the price is very high, that's when they open their stocks and profit from it. So you have farmers who sell their products in November or December and then buy the same product back at 3 times the price in April or May. Ana samu wata sa'are da kasuwa ta yarda rada ta kiya kuma wai wajen abun gojen lokacin arasku a tsada sun lokaci da lokaci ne a to ai ba gama kaka da yanzu ya hi matsala parce que même cette année vous voyez maintenant les aliments coûtent cher hein les aliments coûtent cher le mil qui se vendait à 200 francs maintenant c'est à 500 le niébé qui se vendait à 250 maintenant ça se vend à 600. Vous avez vu. Son personas que están destinando a la alimentación entre el 60 y el 80% de sus ingresos. Entonces, si los precios van excesivamente al alza, esa gente van a quedar en condiciones de, o van a quedar impedidas, diría yo, de acceder a los mercados. Y por lo tanto van a ser una franja de población que podrá caer rápidamente dentro del número de los 854 millones que hoy día sufren desnutrición. C'est l'accès à la nourriture, donc le pouvoir d'achat, le revenu d'être capable à acheter s'il y a des besoins de la nourriture sur les marchés. Il y a les problématiques avec la production agricole, la production pastorale, qui peut mener une ménage à la faim parce qu'ils n'ont pas suffisamment de sources de nourriture, sources de revenus pour acheter de nourriture. Donc ils vont tomber dans une spirale qui les mène à la faim. Abun kai kawo mutane matsala eh ana yin noma a rika noma da rani war haka
inda mana ta lokacin da na ruwa kare kuma wanga sa ebe shi kuma zo a saida kamun wannan lokaci kuma wanga kawo to lalle ni dai lalle ba ta ba ta hanya akwai hanya saida mana an tasa baka wai ah misali to jama'a ai taimaka musu ne ake yi ana ya taimaka musu kaga dai zai akwai taimako a mutum zai Allah ka sauke shi C'est dans ce sens que nous avons pensé à instaurer le système du warrantage qui consiste à ce que les producteurs stockent leur production dans un magasin. Avec cette production, ils la mettent en gage auprès d'une institution de microfinance qui leur donne un crédit contre cette production. Pourquoi ? Parce que s'ils les stockent, en même temps, ça va augmenter de prix du jour au jour. Et au moment, pendant les 3 à 4 mois qu'ils vont régler ce crédit, ils vont essayer de vendre leur production et obtenir un crédit. Et c'est possible qu'à partir du bénéfice tiré à partir de cette vente de produits, ils peuvent régler leur dette avec un bénéfice gagné. Et de l'autre côté aussi, il y a leur production qui est là stockée. And it's part of our training that we try to get them to do income generating activities like small commerce or the embouche, like I mentioned. En tout cas, une grande en tout cas, sensibilisation, une éducation au niveau de tous les villages. Mais maintenant, c'est la poche. C'est la poche, c'est les aliments, la production. C'est ça. Quand tu produis, il te faut maintenant les femmes. Maintenant, les hommes, ils vont en exode pour chercher à manger. Maintenant, c'est les femmes qui sont et les enfants qui sont dans les villages. Donc, la femme, elle se débrouille pour nourrir ses enfants. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont dans les bonnes conditions. Vraiment, c'est surtout ceux qui sont en brousse. Ceux qui sont en brousse, ils souffrent plus que nous. Nous, au moins, on travaille. On a un peu de sous, on peut se débrouiller. Mais ceux qui sont dans la brousse, là, vraiment, ils souffrent. Ce n'est pas tous qui ont les moyens pour vivre. Ils souffrent vraiment. Et les hommes? Les hommes? Ce sont eux les vrais responsables. Hein? Un mari, ici, dans notre coutume, c'est l'homme qui devrait chercher pour nourrir la femme. Quel que soit vraiment ses problèmes, il faut qu'il amène pour que la femme mange. Ça, il faut le reconnaître. L'homme nigérien, il est très puissant. Dans ce sens-là, il est vraiment fort. C'est pas comme les pays... Couché là, nous on connaît. Tu viens, tu donnes un peu à la femme, elle peut se débrouiller et amener. Et ici, tout est à la charge du mari, de l'homme. Même habit, même chaussures, même boucle d'oreille. Ça, c'est l'homme qui le cherche. Ça, je vous le garantis. L'homme ici souffre. C'est lui qui va, qui culture, qui amène, mange. Vous avez compris? My opinion, if it's a woman, she'll be using the money for the household, for the kids, for things of that nature. If it's a man, sometimes he would go buy a new watch or a new boo-boo or something like that. In my opinion, a woman would use it more efficiently for the household. Not all the time, but just in general. No tenemos que olvidar que la desnutrición tiene un impacto en el desarrollo de los niños, no solo en el desarrollo físico, sino también en el desarrollo intelectual. Entonces, cuanto más fuerte sea el impacto en los niños de hoy, más fuerte será el impacto en los adultos de mañana. Dans ton repas, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir de la farine, de la farine. La farine de quoi? De riz.
du maïs, quoi encore? De la viande, quoi encore? Des fruits, des aliments très nourrissants. Al final vemos que la lucha contra el hambre requiere el trabajo con las mujeres y con las madres en particular. Más allá de los alimentos, lo que vemos es que no pasar hambre es también una cuestión de hábitos, y más allá de los hábitos es también el entorno emocional. Hemos visto que trabajar con las madres nos da una protección a nivel alimentario, a nivel de detección de malnutrición y a nivel de desarrollo emocional y físico de los niños. Y eso es el punto fundamental de la lucha contra el hambre. Réduire, oui, mais dire terminer la malnutrition, non. Parce que c'est une maladie. On ne peut pas dire aujourd'hui on va terminer la malaria, mais on peut juste la prévenir et diminuer le nombre de cas. C'est le travail qu'elles sont en train de faire. Donc nous ne luttons pas pour dire que nous allons éradiquer, non. Mais nous sommes en train de faire de notre mieux pour que la prévalence puisse être réduite. To me, when people think in terms of the future, it's until the next rainy season. It's now until the next rain, until the rains start again. So it's always in terms of that. It's not a 10-year plan for anybody. Gani nan zuwa gaba kake ganin abun zai zama. Saboda yanzu kaga yanzu ya kusa kariya dangali. Ko a same shi sai zuwa can kaka tayi. Dan haka nan ne. Oh, de bébé la macosa.